Bonjour chers abonnés et bienvenue sur la page de MySOS Tech, votre chaîne d'assistance informatique. Alors, aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau sujet, n'est-ce pas, qui concerne la réparation de téléphone Motorola. Réparation, n'est-ce pas, via installation ou flash de firmware ou encore, si c'est comme certains le préfèrent, de ROM Android. Alors, pour commencer, vous aurez besoin, n'est-ce pas, d'installer les drivers de votre téléphone. Vous aurez le lien pour Motorola Driver dans la description. En plus des drivers, vous aurez besoin, n'est-ce pas, de ce petit utilitaire qui va vous permettre de flasher ou alors de télécharger, n'est-ce pas, une nouvelle ROM sur votre mobile. J'ai tout simplement nommé ce logiciel le RS Lite. Alors, vous aurez les drivers, le RS Lite et la série sur le gâteau, n'est-ce pas, le firmware de votre mobile. Vous aurez tous ces liens, n'est-ce pas, dans la description de la vidéo. Une fois le fichier extrait, nous allons exécuter RSD Lite, le logiciel qui va vous servir, n'est-ce pas, pour flasher votre téléphone Motorola. Alors, une fois le logiciel ouvert, vous connectez votre téléphone en mode fast boot. Ceci en appuyant le volume moins plus le bouton power. Puis connectez votre téléphone, n'est-ce pas, au PC. Ces choses faites déjà. Alors, l'étape suivante, n'est-ce pas, va être d'uploader ou de charger, n'est-ce pas, le fichier XML présent dans votre firmware au niveau de notre RS Soft. C'est ce que je m'en vais faire à l'instant. Là, je charge le fichier ouvrir. Ok. Il ne reste plus qu'à commencer le téléchargement via le bouton Start. Oups, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une erreur. Dans l'autre fil, ce qui suppose, n'est-ce pas, que le flash ne peut pas être effectué. Alors, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons corriger ce petit problème. Rendez-vous dans le dossier de firmware. Ouvrez le fichier XML et supprimez la ligne, n'est-ce pas, contenant la syntaxe getlar. Puis enregistrer. Oups, là, ok. Revenez dans RS et chargez de nouveau le fichier XML, cette fois-ci le fichier modifié. Et puis nous allons commencer le téléchargement. Ah oui, problème résolu, le flash a commencé. Il ne manque plus qu'à patienter, n'est-ce pas, histoire que le logiciel RS télécharge la nouvelle ROM sur notre Motorola. Voilà, c'est un cours, hein. Soyez patient, ça va prendre un petit moment. Oui. Ok. Super. Là, le flash est terminé. Nous pouvons débrancher ou, n'est-ce pas, déconnecter votre téléphone. C'était tout pour notre tutoriel. Bye bye. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. On se dit à plus tard. Ciao.